La chirurgie esthétique n'est plus un sujet tabou. Avec l'évolution des émissions de télé-réalité, ou encore des plateaux de débat comme Touche pas à mon poste, cette pratique auparavant cachée par beaucoup de stars ne l'est plus. L'occasion d'en parler ce jeudi 29 avril sur le plateau du 6 à 7 avec Asta, avec Géraldine Maillet, novice en la matière. Si certains chroniqueurs de C8 assument fièrement être passés sur le billard, à l'image de Magali Berda qui ne se cache jamais de ses nouvelles opérations esthétiques ou des sommes dépensées dedans, d'autres, comme Géraldine Maillet, sont un peu plus perplexes sur le sujet, faisant référence aux jeunes femmes de télé-réalité refaites assez jeunes. À 20 ans, il n'y a plus rien d'origine. La maman de 49 ans semble effrayée pour sa fille, et l'image de la femme qu'elle reçoit aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, moi, ça me fait peur parce que j'ai une fille. Et je me dis qu'à 20 ans déjà se mettre des injections, modeler son visage, des prothèses et tout. Moi, je trouve ça terrifiant. J'ai peur de ne pas me retrouver pour autant. La chroniqueuse n'est pas non plus opposée à ce genre d'intervention, en tout cas la concernant. Je ne dis jamais non par principe. Mais j'ai peur parce que j'appréhende. J'ai peur de ne pas me retrouver. Évidemment, le tout est de savoir s'arrêter au bon moment, et de faire les bons choix en amont. Et si la chirurgie esthétique n'est pas à bannir selon elle, Géraldine Maillet déplore les choix de certaines de ses amies, se laissant aller face à cette mode, parce que j'ai l'impression que c'est un engrenage. Il y a beaucoup de copines qui ont fait de petites choses et à partir du moment où on met le doigt là-dedans. À voir aussi, la rédaction à lire aussi laisse bloc à DS. Why?